Aujourd'hui, je vous emmène en rang de vol près de Chambéry à Monterminau. 1er mars, hein, on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas trop de vent de sud sous les pentes qui sont sous le Nivolet pour faire un petit déco avec une nouvelle voile. Et donc là, on va faire une petite rando. Il y a 700 D+ à peu près. On va voir combien de temps on met. Et pour l'instant, il fait beau. Le site est un petit peu déjà présent. Mais bon, on va voir. Ça devrait peut-être passer. Je sais pas trop. Et on monte là-haut. L'avantage, c'est que maintenant j'ai une Suunto 7, je peux pas me perdre. Regardez, il y a les heat maps directement dessus. Tous les chemins de trail running, etc. sont indiqués. On peut pas se perdre, je vous dis. Bon, c'est beau, mais ça souffle fort. Je sais pas si je vais pouvoir décoller. Ce décollage est bien par vent de sud marqué, mais plutôt en matinée, car si la brise prend le dessus, j'ai déjà observé un vent de cul, la brise passe au-dessus de l'épaule et retombe sur le décollage. Alors pour rappel, on est en rando-vol, donc il n'y a pas d'atterrissage officiel. Celui qui est le plus pratiqué néanmoins se situe dans le champ en forme de L de Monterminau. Attention à ne l'utiliser que si le champ est fauché et sans bête, et sortez bien par le haut du champ et pas par le chemin en bas, qui est super tentant, mais la propriétaire est quelque peu retors. Voici un atterrissage à Monterminau dans le champ que je vous ai présenté. Ces images datent d'un vol précédent effectué en octobre en fait. Mais ce jour-là, j'ai choisi de poser aux barillettes. Le poser est plus technique, donc je ne le présenterai pas ici. Voilà, ça c'est fait. Je suis parti des maisons là qu'on voit, les champs sur lesquels j'ai décollé. Donc là maintenant on va repartir chercher la voiture. Et c'était bien bon. C'est raide pour remonter. Moi quand c'est raide je suis content. Arrivé, à peu près 20 minutes pour monter depuis les barrières jusqu'à mon terminal. Maintenant on va rentrer à la maison, puis on va faire la valise et on va partir en Turquie pour le boulot. Allez, ciao!